Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette 28e édition de la balado SFTV. Et cette semaine, on a donc un invité spécial avec nous, triple champion du monde d'iRacing. On l'a reçu la première fois, il était double champion. Maintenant, troisième fois consécutive, Alex Bergeron. Bonsoir, Alex. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien, et toi aussi? Très bien. D'ailleurs, mes acolytes d'habitude, habituels sont toujours présents, donc Pierre-Luc Dallaire, Luc Carbonneau et Éric Godreau-Dapot. Bonsoir à vous également, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Donc, pour commencer, on va y aller avec l'entrevue et ensuite quelques petites nouvelles au niveau du sim racing et de la course automobile. On va y aller très rapidement, par contre, de ce côté-là, parce que l'entrevue, c'est la raison principale pourquoi on est là ce soir, vraiment une édition spéciale de la balado. Donc, Alex, première question pour toi, et je vais te lancer la question un peu bonbon comme ça. Comment est-ce qu'on se sent triple champion du monde d'iRacing? Ah, c'est définitivement quelque chose. On fait pas ça tous les jours, hein. Fait que c'est quand même énorme. 3 ans de suite. Dans le fond, en 2 ans, parce qu'il y a eu 3 championnats, mais cette année, il y en a eu 2 dans la même année. Donc pour cette année et pour 2021. Donc ça a été vraiment énorme là, toute la saison de 3 championnats, puis la compétition est très très forte, surtout cette année. On a quand même eu 4 victoires et 9 top 5, je crois, en 10 courses, donc quand même assez bien. Nom qui semblait vraiment ressortir. Il y en a un qui s'est présenté un peu moins souvent. Je pense que c'est Tim Ryan et Eden Caldwell. Les deux ont. Tim Ryan n'était pas vraiment au niveau de la course du championnat, mais quand même, lorsqu'il était présent, là, ça semblait vraiment gêner un peu toi puis Caldwell. Comment est-ce que tu as trouvé justement le fait qu'il y ait peut-être un pilote qui avait le potentiel là, de venir vraiment vous joindre dans cette lutte à deux et qui parfois là, était plus ou moins là, tout dépendant des courses? Mais dans le fond, c'est Aiden Caldwell, il y avait beaucoup de coéquipiers sur la piste. On parle de à peu près 10 à 12 pilotes dans la même équipe, dans le fond, parce qu'il y a comme une alliance ensemble dans 2 équipes. Donc Oh, c'était OK. très difficile compétitionner contre ces nombres de coéquipiers-là. Mais quand même, on a réussi à s'en sortir assez bien. Mais il fallait vraiment là, être sûr. Parfaitement, là, à toutes les courses, pas d'erreur, pas de. Toujours être préparé à toutes les semaines, toujours être ça coche, là, comme on dirait, là. Dans ton institution, tu as maintenant le nom Team ABR depuis, je pense, une ou deux saisons. Corrige-moi si je suis dans l'erreur. C'est qui a fait en sorte là, que cette équipe-là a pris place? C'est-tu toi qui as amené du monde vers cette institution-là? Ou au contraire, ça s'est formé un petit peu justement là, avec ton entourage? Mais dans le fond, je crois que c'était là 2 ans, donc janvier 2019, on est parti cette équipe-là. J'ai parti cette équipe-là au début, puisque justement j'avais quitté une équipe qui était, ça allait pas très bien après avoir quitté Team VLR. J'ai tout fait une nouvelle équipe, puis ça a toujours été quelque chose que je voulais faire depuis tout le temps, partir ma propre équipe, puis d'avoir le nom ABR. Surtout avec mon nom, moi-même. Donc, on est parti, puis on avait quand même beaucoup de coéquipiers. Je crois qu'on était peut-être 6 ou 5, je me souviens plus exactement. Puis ensuite de ça, ben là, tout le monde, il y en a qui ont arrêté à Racing, il y en a qui ont continué, mais ils ont changé d'équipe. Puis ensuite de ça, ben là, j'ai amené Jason Haggard et puis ma conjointe maintenant. On s'occupe toute l'équipe ensemble, puis vraiment, là, maintenant, là, c'est à eux. Je veux qu'on parle un peu des équipes parce que honnêtement, c'est quelque chose qui m'a accroché. Comment est-ce qu'on peut arriver à un point tel où est-ce que tu as une douzaine de pilotes contre toi qui se forment une alliance? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec certains pilotes précis ou si ça c'est un bloc peut-être pour une raison quelconque qui s'est créé? Est-ce que tu sais pourquoi ils ont décidé de partir vraiment à 12 pilotes comme ça dans une alliance ou? Ben, il y a pas mal juste une seule réponse. C'était vraiment juste pour pouvoir me battre dans le championnat. Pour ça, il y a pas de cachetterie là-dedans. OK. 2 années de suite que j'ai eu le championnat. Puis la première année que j'ai gagné le championnat du monde en 2019, ça a été quand même assez facile, puisque justement, il n'y avait pas autant d'agression dans la course elle-même à toutes les fois, à toutes les 10 semaines. On avait eu 5 victoires en 2019, puis tout dans le top 10, dans le top 5 à toutes les courses, donc sur 10 courses. Puis l'année dernière, c'était très difficile. C'est comme si j'avais un target sur mon véhicule.
Donc, c'est assez difficile. Puis en plus, tu sais, ça n'a jamais été accordé aux Américains, le championnat du monde. C'est, ça a été la première année avec Tim Ryan en Australie, puis les trois dernières années avec un Canadien. Donc, c'est très, très difficile pour les Américains. Est-ce que les organisateurs ont... Je veux dire, est-ce que c'était quelque chose que tu as... Peut-être pas toi personnellement, mais peut-être d'autres pilotes qui ont dit « Hey, c'est peut-être pas legit là, d'avoir, mettons, 12 pilotes qui agissent de la sorte » ou si c'est tout le monde accepte de prendre son mal à la patience puis, comme, puis tout le monde fait comme « Bon, ok, c'est correct, c'est legit. » Ben, tu sais, ça dépend. C'est pas une alliance officielle, mais on sait très bien qu'ils sont tous ensemble. Là, donc, c'est... Il n'y a pas vraiment un règlement fait pour ça, sauf si on voit, si on parle justement de la série Porsche Sports Super Cup. Je crois que c'est un maximum de 4 pilotes. Je ne me souviens plus exactement, là, je ne suis pas ça tant que ça, mais un petit peu quand même, là, j'ai déjà été dans ces séries-là là, sur circuit routier, donc ça me tient toujours à cœur. Peut-être un jour, je vais me retrouver dans ces séries-là encore, mais c'est vraiment c'est quelque chose quand même, mais il n'y a pas vraiment un règlement dans le championnat du monde de Sprint Car qui décide c'est combien de pilotes. Donc, il n'y a pas vraiment de règlement, mais cette année, ça a été quand même pas si mal à comparer l'année passée avec l'agression qui se passait pendant les courses, puisqu'on était toujours quand même en avant la plupart du temps. Puis la dernière partie de la saison, toujours qualifié là, dans le top 3 à toutes les courses, donc c'était parfait là. Une des choses, Alex, que les gens à la maison, il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est ta quatrième saison dans ce championnat-là. Et à ta première campagne, tu avais terminé deuxième derrière ce même Tim Ryan. Tim Ryan, à l'entrevue lundi soir, a annoncé qu'il allait sans doute quitter la série. Il citait principalement des situations de netcode avec sa connexion australienne. Il y a quand même 4 pilotes là, qui étaient basés en Australie dans cette série-là. Est-ce que ça l'a amené des complications en piste d'avoir justement des connexions Internet différentes? Puis surtout, comment tu te sens à savoir qu'un gros comme Tim Ryan, ça ne reviendra pas la saison prochaine? T'sais, en même temps, c'est difficile. Il a toujours été dans la série, sauf une année. Je crois que c'est l'année passée, il n'a pas été là. Mais c'est toujours été un compétiteur assez féroce, mais assez clean. Il n'a jamais vraiment... on n'a pas vraiment eu quelque chose vraiment ensemble qui était difficile. C'est toujours des incidents de course, des choses comme ça. Puis pour moi, le respect en course, c'est très important, surtout dans ces séries-là. Je vais pas dépasser quelqu'un puis essayer de le tasser là. C'est pas dans mes façons du tout. Puis ça, le faire, c'est très difficile pour moi. Donc Tim Ryan, c'est un bon pilote, puis je vais pas le nier, très très bon pilote. Il a gagné la dernière course cette année. Donc félicitations à lui puis à toute son équipe. J'avais une question par rapport. Dans le fond, je viens de perdre mon idée. Ah, Seigneur, je déteste. Ben, je vais prendre la balle au bon dans ce cas-là parce que j'ai une petite question par rapport à la dernière course, justement. On t'a vu, Alex. Il y a un moment particulier où je pense que ça a pris tes coronets de ton côté. Quand on a vu vraiment le cadre de large qui s'est créé où t'as dû enfiler l'aiguille pour aller chercher la position et je pense que t'es tombé troisième à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire j'y vais, il faut que j'y aille, c'est à ce moment-là, sinon je suis fait? Ben, c'est des choses qu'on peut pas toujours savoir comment ça s'est passé puis pourquoi ça s'est passé. Je sais juste que sur le départ, j'étais septième à l'intérieur. Puis je me suis retrouvé 9-10e au départ. Je voulais vraiment être safe, de vraiment y aller doucement, de pas faire d'erreur du tout. Charlotte, c'est une piste très, très compliquée, surtout rouler en haut. On voyait James Eden aussi qui réussissait. C'était pas mal le seul pilote à réussir à rouler au milieu et en bas. Disons que, comme je l'avais déjà mentionné, je crois, dans l'entrevue de la course, j'aimerais savoir une aussi bonne configuration que lui sur la piste comme ça, parce que j'ai jamais été à de rouler au milieu en bas comme ça à Charlotte. Donc, quand on est parti au début, j'ai reculé, puis j'essayais juste de survivre. C'était la première partie, puis je voulais pas terminer plus loin que 10e ou 11e si Aiden Cardwell gagnait le feature, la course. Puis, tout s'est passé en espace de 3-4 tours. J'ai fait des moves que j'aurais jamais pensé faire dans cette série-là. Vraiment, toute la saison, j'ai été vraiment smooth, vraiment calme. Pas d'agressivité, mais là, il fallait vraiment que j'y aille agressivement puis faire les positions parce que je savais très bien que si je restais là toute la course, j'aurais probablement pas pu me rendre plus en avant que ça. Donc, c'est vraiment au début quand la piste, surtout une piste de terre battue comme ça, la piste, elle change au long de la course. Comme qu'on va voir, mettons, sur l'asphalte, la piste va devenir plus chaude, moins chaude, etc. Mais sur la terre battue, la piste, la grippe, on appelle part. Donc, il faut vraiment se dépêcher, prendre toutes les positions possibles, puis après ça, c'est plus facile.
Alex, on tourne une page d'histoire du côté du sim racing québécois avec un triple champion du monde. On s'en est parlé après l'épreuve à quel point c'est exceptionnel puis que ça pourrait jamais se reproduire. La question maintenant, c'est quoi la prochaine étape pour Alex Bergeon? Prochaine étape, c'est d'essayer d'aller chercher le plus de champions du monde possible, effectivement. mais surtout pour le Canada, le Québec, c'est très important pour moi, représenter le pays. Puis la province, c'est vraiment quelque chose énorme. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ça voilà 3 ans. Mais on a réussi, en fin de compte, de pouvoir réussir. Peut-être que je ne vais pas pouvoir gagner l'année prochaine. Tu sais, c'est vraiment des courses assez féroces, compliquées. Ça prend vraiment beaucoup de patience, vraiment beaucoup de travail pendant 10 semaines acharnées. Puis ça ne commence pas la première semaine. Là. C'est 2 mois, 3 mois d'avance de préparation. Donc, c'est comme on voit toutes les équipes de e-sport partout. C'est de la préparation à l'année longue. Comme les courses en réel, la même chose. Là. C'est en espérant que pour moi aussi, je vais pouvoir aller courir en réel puis recommencer tout ça, là. Ça me manque vraiment beaucoup. Puis je suis ouvert pour n'importe quoi là, qui a 4 roues puis un moteur. Justement, tu parlais de courser dans le réel. On se rappellera l'an passé, quand tu as gagné l'édition 2020, il y avait la bourse et il y avait également une journée de test. Dans une voiture de type sprint car, là. Je ne sais pas si c'était dans le 400cc ou dans le plus haut là, au niveau de la motorisation, mais cette année, est-ce qu'il y avait également ça en jeu comme prix, et est-ce que tu as eu des détails là, concernant au fait que tu aurais dû aller tester l'an passé en 2020 aux États-Unis? Pas vraiment, c'est vraiment vague, surtout avec le COVID-19 puis tout ça, c'est très difficile. On sait pas trop où c'est qu'on s'en va avec ça, malheureusement, comme la plupart du monde. On espère que ça s'améliore, mais vraiment pas de nouvelles de quoi que ce soit. L'année passée, il n'y avait pas question de pratiquer dans aucun véhicule avec le champion du monde, juste la bourse puis le trophée, là, dans le fond. Okay. Mais en 2019, c'était en 2019 que j'ai fait les tests à Charlotte, en Caroline du Nord, à l'événement du World Finals. Donc, c'est le dernier événement de les 3 catégories, donc les modifiés sur la terre battue, là, les gros blocs qu'on appelle, puis les 410 Sprint Car et les Super Late Model. Donc, c'est vraiment la dernière course de l'année pour tout le monde. Puis c'est là que ça se passe, puis c'est le plus gros show de l'année, là, comme on pourrait dire. Puis j'avais testé, ça a super bien été. Puis c'était pas un moteur aussi fort qu'un 360. Ça, c'était vraiment comme presque aussi fort qu'un 305, mais c'était pas si fort que ça comme puissance de moteur, mais juste d'être le fait d'être sur la piste là, de Charlotte, là, c'est extrême. Là. C'est vraiment quelque chose d'en faire une fois dans sa vie. Là. Et d'ailleurs, on en parle un petit peu justement de ça dans la première entrevue qu'on a eue l'année dernière, en fait, Alex. Est-ce que toi, de ton côté, il y a des choses qui s'en viennent du côté de la vraie? T'en parlais un petit peu justement il y a quelques instants. Est-ce qu'il y aura des plans privés en 2021 du côté de la course réelle de ton côté? En ce moment, c'est vraiment vague aussi, surtout avec le COVID, qu'on ne peut pas aller aux États-Unis. C'est très difficile. Puis, c'est d'avoir des partenaires aussi qui veulent embarquer pour pouvoir y aller. Puis, probablement, c'est être capable de pouvoir survivre avant dans la vie normale. Ça prend de l'argent pour vivre aussi. Donc, faut être capable de subvenir avant. Puis, après ça, penser d'aller courir. C'est sûr, c'est d'aller courir le plus possible. Si je pourrais faire ça tous les jours de ma vie, je le ferais. Mais ça prend de l'argent, ça prend du monétaire, ça prend quelque chose pour pouvoir y aller. Mais en espérant, on pourra y aller. Puis comme je disais, là, je suis ouvert pour n'importe quoi. Là, surtout avec le championnat comme ça, ça peut ouvrir des yeux tout autour. Puis essayer d'y aller, à chercher le plus haut dans le monde des courses sur terre battue. Puis je pense vraiment que ça va fonctionner. Il faut juste continuer à travailler fort, puis mettre des efforts tout le temps, puis de l'organisation, puis être toujours sur la coche là, toutes les semaines. Puis tout est organisé. Il n'y a rien de pas organisé dans cette équipe-là. Tout est sur la coche, puis on va se rendre jusqu'au plus haut un jour. Une des bonnes nouvelles, Alex, c'est que tu as joint récemment l'utile à l'agréable. Tu as fondé le ABR Setup Shop qui, littéralement, tu prends ta passion, tes connaissances, puis tu viens en faire là, une petite business. Parle-nous un peu là, de comment ça s'est préparé, tout ça, puis où est-ce que ça s'en va? Ça va très bien, bien évidemment. Mais on a parti ça là, 1 mois et demi. Donc, ça s'est fait quand même assez rapidement. J'avais pensé à ça depuis un bon 2 ans. Facilement, là, dans le fond, depuis que j'ai
j'ai gagné le premier championnat du monde, j'ai toujours pensé à vouloir redonner aux pilotes. Puis la raison aussi pourquoi je me suis rendu là, il y a beaucoup de monde qui m'a aidé, beaucoup de monde qui m'ont permis de pouvoir m'amener où ce que je suis rendu là aujourd'hui dans iRacing. Puis c'est moi redonner comme ça, puis donner du coaching tous les jours. Puis c'est vraiment plaisant pour moi de pouvoir faire ça. On offre du coaching, des weekly setups, dans le fond, c'est des setups à toutes les semaines pour les courses officielles, comme vous pouvez le savoir, toutes les semaines, à toutes les heures, dans le fond, il y a des courses officielles. Puis moi, avant, quand j'étais plus jeune, je faisais ça, je m'appelle plus jeune, là, parce que je suis déjà rendu à 20 ans, mais plus jeune, je faisais ça pas mal tout le temps. Puis c'est une raison aussi pourquoi je suis rendu quand même assez avancé là-dedans. C'est beaucoup de temps, beaucoup de pratique, puis tout ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent se rendre au plus haut niveau, puis c'est ça, je suis là pour ça, je suis là pour les aider, là pour les rendre le plus vite qu'ils sont capables, puis c'est pas n'importe quoi, là. C'est dans le fond, c'est presque qu'est-ce que nous, on roule, c'est pas n'importe quoi, là. C'est parfait, là. Donc, en terminant, justement, est-ce qu'on t'a donné un petit peu, justement, une opportunité de pouvoir plugger un peu ce que tu fais? Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier ou, justement, des... parler un petit peu plus, justement, de ce que tu fais avec Team ABR au niveau, justement, du Setup Shop, entre autres? Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Dans le fond, toute l'équipe, là, Rebecca, ma team manager, puis aussi ma conjointe pour tout ce qu'elle fait dans l'équipe, puis Jason Nygaard, mon coéquipier, fait beaucoup de travail lui aussi, beaucoup de courses. Il a gagné récemment deux gros championnats là, de ligue. Donc, félicitations à lui, là, bien fait ça. Représente l'équipe assez bien. Puis ensuite de ça, il y avait Brandon Schultz cette année qui a embarqué avec moi pour m'aider. Celui qui faisait, il a fait beaucoup de courses là, dans Rivals de dirt. Puis c'est là, dans le fond, on est parti comme une relationship qu'on appelle friendly. Puis c'est vraiment là, vraiment un bon gars là, qui veut m'aider. Puis à toutes les semaines, là, préparer les voitures, là, ça coche. Puis il a amené aussi son expérience lui aussi. Puis ça a valu vraiment la peine. Là, puis on va continuer le plus longtemps possible. Puis bien évidemment, tous nos partenaires qu'on a en ce moment, là, CSI Shox qui est situé aux États-Unis. Avec PitLogic aussi, c'est la même chose. Dans le fond, c'est une application, un programme pour les vrais pilotes de course, les vraies équipes de course. Même pour iRacing aussi, ça fonctionne. C'est une application pour tout rentrer vos données de setup. Ça peut aussi marcher pour le road, je crois. Là, beaucoup d'affaires là, qui rentrent en ligne de compte là, là-dedans. Là, vraiment, vraie application là, A1, vous irez voir ça. C'est très bon pour les équipes de course. Puis, dans le fond, les équipements Miro de ferme aussi qui ont été avec moi depuis des années, là, qui est local ici au Québec. Avec BK Design aussi, qui est mon partenaire de peinture puis de design, qui a fait exactement aussi mon design de vrai sprint car en réel. Donc, allez voir ça aussi. Puis, Stucco, Simon Jean, je sais qu'il a embarqué il n'y a pas très longtemps avec nous. Très, très apprécié. Puis, c'est local ça aussi à Grimby. Donc, très, très fier de toutes les gens qui nous supportent et tout ça, avec CD Cinematography aussi qui fait toutes les photos pour iRacing pour nous autres maintenant. Très, très bon photographe. Il fait des bonnes photos et tout ça sur iRacing. Il vient de l'Australie par contre. Donc, l'heure est un petit peu différente, mais il fait des photos très excellentes. Puis bien évidemment, là, ma famille, mon père, tout le monde qui m'aide là-dedans. Puis ma conjointe, encore une fois, pour tout ce qu'elle fait. Puis tout le monde ici, là, merci pour l'entrevue. Là, c'est très, très apprécié. Puis tout le monde qui m'aide là, là-dedans, tous les fans qui m'ont regardé toute la saison, le support, là, c'est très important. Surtout dans une série à ce haut niveau-là, ça prend du support très, très, très extrême. Là. C'est beaucoup difficile sur le mental, surtout quand il y a beaucoup d'autres mondes sur la piste qui sont pas qui sont tous dans la même équipe pour essayer d'avoir juste une personne, de réussir comme ça, de pouvoir les battre. Là, c'est vraiment quelque chose là, d'incroyable. Surtout trois championnats. On fait partie maintenant des quatre meilleurs au monde qui ont gagné plus que deux championnats ou un championnat. Donc, c'est vraiment là, fier de tout ça. Là. Oui, d'ailleurs, Eric, c'est toi qui, tu penses, t'as écouté vers la fin. Dans la course, je pense qu'on t'avait comparé Alex à des Ray Alfala et autres de ce monde. Donc... Martin Kroenke. Écoute, c'était assez... Je vais le dire, là, c'était chaleureux comme commentaire de la part des gens de RaceSpot, puis évidemment, ben, pleinement mérité. J'en ai une petite dernière vite pour toi, Alex, avant qu'on te laisse aller. Si les gens à la maison cherchent à savoir l'action, l'actualité pour un Alex Bergeron, c'est où que ça se passe?
se passe tout sur les réseaux sociaux, à commercial Team ABR Esports sur Facebook. Dans le fond, toutes nos A commerciales là, partout, là, Racing Bergeron pour moi sur Twitter, même chose pour Instagram, tout le même dans le fond, at le pareil. Puis, dans le fond, toutes les, comme je disais, toutes les autres at de l'équipe, dans le fond, c'est facile à retrouver là, sur la page Team ABR Esports. Puis Team ABR Esports aussi sur Instagram puis Twitter. Là, donc, on est partout. Fait que c'est facile à nous trouver. Ouais, c'est génial d'entendre ça. Donc, on va continuer à te suivre en espérant un quatrième championnat de suite, évidemment. Mais la barre est déjà très haute de ton côté. Donc, vraiment, encore une fois, félicitations pour ton championnat. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres événements. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment d'être ici. Puis, espérant d'être de retour n'importe quand. Puis, ça va me faire plaisir d'être ici encore. T'es toujours le bienvenu. Merci. Bonne soirée, Alex. Bonne soirée. Salut. Donc, Alex Bergeron qui était avec nous. Rapidement, bien sûr, on va faire le tour donc de quelques petits points. On va laisser quand même nos auditeurs en plein, évidemment, pour ce qui est une édition spéciale de Balado. Et d'ailleurs, je m'excuse à la maison, j'ai dit le 28e, c'est le 29e. Apparemment, je sais même pas lire ce que j'écris moi-même sur Facebook. Ça commence pas très bien de ce côté-là. Donc, Luc, je vais te donner la parole pour commencer au niveau de la vraie course. Okay, 24 heures de Daytona, oui, oui. 7 fins de semaine, donc c'est plus toi l'expert au niveau de tout ce qui est multiclass. À quoi on peut s'attendre justement au niveau de cette mythique course? Tu m'as pris des clés à l'heure parce qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas trop, fait que j'ai rien de préparé. Oh, ouais, rapidement, merci. Très rapidement. Est-ce qu'on peut parler, on va parler de la série La Voix, puis après ça on va terminer avec les 24 heures de Daytona, c'est bon? Oui, on peut faire ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est toujours à toi d'en parler, mon cher. Bon, fait que monte tes culottes pis vas-y. Oh là là. Je mettrai pas de commentaire là-dessus. Alors Eric, c'était la deuxième épreuve de la saison au niveau du comté de Miami-Dade et on a le droit à toute une course avec beaucoup, beaucoup de stratégies différentes au cours de l'épreuve. Oui, ben une course, premièrement, une première là, sur les ondes de CFTV et si la mémoire est bonne, c'est une première au niveau aussi de la série La Voix Motorsports. Une course qui a eu aucune neutralisation outre celle programmée pour le segment. Une course de 100 tours, donc là justement, où est-ce que l'économie d'essence, l'économie de pneumatique est venue jouer un énorme rôle. Tout ce qu'on pouvait prévoir en termes de stratégie s'est retrouvé dans le conteneur avec une canisse d'huile et une petite allumette. C'était tout un incendie qu'il y avait en piste. Red Moreau qui semblait en contrôle aux commandes de l'épreuve au tout début. Et c'est au 67e tour que là le mystère s'est mis à planer. Alors que Moreau a dû faire un dernier arrêt. On se doutait justement avec 33 tours à faire que c'était un peu trop tôt pour rallier l'arrivée. Et ce fut le cas. On est obligé de ravitailler au 80e tour du côté de la numéro 5. Et c'est son frère Nicolas Moreau qui a récolté la victoire derrière lui. Il y a quand même une très belle lutte là, avec Jeff Côté qui a terminé au deuxième rang de cette épreuve. Et un Steve Drouin qui... Pierre-Luc, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, celui-là vient récolter la troisième marche du podium avec une course très constante. Pierre-Luc, tu as vécu cette épreuve-là, évidemment, une épreuve qui a été un peu écourtée de ton côté, mais à défaut de parler de comment ça s'est terminé, parle-moi surtout de comment tu as ressenti cette épreuve-là, vu que tu as eu un départ un peu plus loin sur la grille, mais tu as quand même réussi à faire une belle remontée jusqu'à environ quoi, 22-23e rang? Ça a quand même bien été. Il a fallu que je travaille mes réglages, ce que je ne fais pas souvent dans la vie de tous les jours. Mais écoute, pour être bien franc, oui, effectivement, là, ça s'est bien déroulé. Surtout en fin de séquence, j'ai trouvé que la voiture, elle allait relativement bien. J'étais capable de dépasser les pilotes aisément en fin de séquence. Mais ça s'est gâté avec mon erreur de débutant dans les puits où j'ai manqué mon box. Et puis j'ai passé tout droit et je me suis retrouvé deux tours en retard. Fait qu'au bout de la ligne, pour être bien franc, quand j'ai vu que là, je suis tombé à trois tours de retard, là, quand j'ai vu que j'étais très loin, j'ai tout simplement décidé de parquer la voiture puis de pas nuire aux autres parce que là, je commençais à me faire dépasser là, d'un peu partout. Mais bon, c'est une première course, une première expérience, puis effectivement, je me suis surpris un peu. Je pensais pas être capable de me rendre, de faire une remontée. J'aurais été surpris de voir qu'est-ce que ça aurait pu donner d'ici la fin.
Mais bon, dans l'ensemble, ça a été. J'ai vraiment aimé l'expérience. Puis évidemment, je vais tenter la semaine prochaine de rallier l'arrivée sans trop faire d'erreur. On va dire ça comme ça. Mais j'ai eu quelques petites bagarres, entre autres, avec Martin Giroux. On s'est battu pendant un tour et demi là, pour une position. Puis j'ai bien aimé ça. C'est des feelings que j'ai pas ressentis depuis très longtemps en sim racing. Donc. En général, ça, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis, écoute, j'ai déjà hâte à vendredi. Oui, vendredi, où est-ce que là, ce sera la prochaine épreuve, la troisième de la saison, qui déroulera du côté du Charlotte Motor Speedway. Donc, un tracé que Pierre-Luc connaîtra un peu plus dans tes cordes, j'imagine, un mille et demi, un bon vieux traditionneux, comme on aime Ah bien oui. le prévoir. Une course qui, à mes yeux, devrait être un peu plus mouvementée, puisque Charlotte a moins de marge de manœuvre un petit peu qu'à Homestead, là, pour être deux de large dans le virage, ça va être plus difficile, moins de trajectoire de course. Surtout, c'est un tracé très incliné avec beaucoup de vitesse. J'ai hâte de voir justement, là, avec ce qu'on a vu vendredi dernier, le fait qu'une voiture extrêmement rapide comme celle de Fred Moreau a été, sans dire, la deuxième voiture la plus rapide. Et là, Fred avait la voiture la plus rapide, mais la voiture la plus efficace en termes d'économie de carburant était celle que Nicolas avait sous les pieds, étant donné qu'elle était en mesure de faire un ou deux tours de plus sur l'essence. Donc, est-ce que ça va changer un peu la philosophie de préparation des voitures, ou est-ce qu'on va sacrifier un peu de vitesse pour avoir plus d'économie d'essence, ou au contraire, on va s'attendre justement du côté des équipes à une course plus mouvementée, où est-ce que les neutralisations vont pouvoir mieux aider à planifier la stratégie? Ça sera à voir dès 20h45 ce vendredi sur les ondes d'SFTV. Évidemment, une épreuve qui s'annonce très, très intéressante. On atteint déjà là, la troisième épreuve sur 10 en saison régulière et on voit des noms commencer à se placer, mais encore très tôt dans la saison là, pour se prononcer par rapport aux séries éliminatoires. Donc, c'est un rendez-vous, ça n'a pas manqué et surtout, course qui s'annonce très intéressante pour la série, la Quad Tuning NASCAR Cup sur les ondes d'SFTV. Oui, et très rapidement, tant qu'à parler de rendez-vous, on va en parler également pour ce vendredi aussi au niveau de la série donc du GT Championnat Québec Division Taxi du Nord. Donc, très rapidement, la deuxième ronde de la saison qui aura lieu du côté du Nürburgring, circuit Grand Prix en GT3, cette fois-ci en voiture de groupe 3. Donc, ce sera à ne pas manquer à partir de 19h55 sur les ondes d'SFTV pour cette deuxième ronde de la saison. Maintenant, eh bien, Oui. Luc, j'espère que tu es prêt. Oui, inquiète pas, je suis prêt. Donc, oui, très rapidement, je vais te laisser également. Parle-nous un peu des 24 heures de Daytona qui ont lieu cette fin de semaine. OK. Donc, cette fin de semaine, c'est les 24 heures de Daytona. C'est vraiment la première des grosses épreuves d'endurance de la saison. C'est ce qui ouvre la balle. Ça va être la 59e édition. La séance de qualification avait eu lieu la fin de semaine dernière et c'était pas une séance habituelle. En fait, c'est une séance de 100 minutes de course qui détermine le détenteur de la pole position aux 24 heures de Daytona. C'est Philippe Nasser, vous reconnaissez bien ce nom, celui qui a déjà couru en F1, qui avait remporté, et je dis avait remporté l'épreuve de qualification en classe Daytona prototype. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été disqualifié. Ça a ouvert la porte à la seule voiture Mazda qui est dans la liste d'inscrits avec le pilote Oliver Jarvis. C'est lui qui va donc partir de la position de tête ce samedi. Donc, l'épreuve qui aura lieu, qui devrait débuter aux alentours de 3 h cette fin de semaine. Là, vous voulez savoir les pilotes à surveiller et tout. Je vous dirais que c'est vraiment assez mélangé, mais on va y aller avec les gros noms. Chase Elliott, qui fait partie l'équipe numéro 31. Avec Felipe Nasr, court en catégorie prototype international, en DPI, là, le Daytona prototype international. Les autres pilotes à surveiller, Scott Dixon court bien entendu avec Chip Ganassi. On parle de Jimmy Johnson, lui qui va être également avec Kamui Kobayashi et Simon Pagenaud. Donc, on a vraiment une très grosse équipe au niveau de cette écurie là, qui est commanditée par Ali, qui va joindre Jimmy Johnson en IndyCar. Il y a trois équipes seulement en Daytona prototype qui fait l'épreuve à trois pilotes. Bon, Chip Ganassi avec Kevin Magnussen et Scott Dixon et Ranger Van der Zande sont la première équipe. Il y a Loïc Duval, Sébastien Bourdais et Tristan Vautier, une équipe toute française qui court également en Cadillac qui va être en trois pilotes. Et la troisième équipe à trois pilotes, c'est celle de Mazda avec Oliver Jarvis, Harry Ticknell et Jonathan Bora-Mitto. Sinon, en LMP2, il y a cinq classes cette année au niveau
des 24 heures de Daytona. Vous avez le DPI, la LMP2, le Mans Prototype 2 et également le Mans Prototype 3 en LMP2 rapidement. Les pour booster les chiffres. Oui, pour booster les chiffres, exactement. C'est la raison. Oui, voilà. Et sinon, on sait qu'en LMP3, ça reste encore, il va avoir, ce ne sera pas beaucoup de pilotes, là, de beaucoup d'écuries. On parle de 7 écuries en LMP3. Bien entendu, il y a différents pilotes là, qui vont prendre part également en série GT. Là, il y a Dawson Bell, notamment Andy Lally, là, pour ceux qui connaissent beaucoup, qui suivent les épreuves d'endurance depuis plusieurs années. Ryan Briscoe va courir, lui, en grand tourisme, en classe de tourisme Daytona. Même chose avec J.R. Hildebrand. Donc, vraiment, ça l'ouvre la balle et c'est lorsqu'on voit les 24 heures de Daytona arriver qu'on peut vraiment dire « Ok, l'été s'en vient. À un moment donné, ben, va s'en venir. » Et pour les pilotes canadiens, Roman De Angelis va courir lui aussi en classe tourisme Daytona, tout comme Daniel Morad ainsi que Zachary Robichon. Robichon là, qui va courir avec Lawrence Ventor, Lars Kern et Matt Campbell. Robichon va courir en Porsche, Morad va courir en Mercedes GT, ainsi que De Angelis, lui, va courir en Aston Martin. On a un autre Québécois qui est sur la liste. Oui, c'est vrai, j'ai oublié Bruno Spengler. Oh, et un autre aussi, j'ai Michael Grenier, qui est en Mercedes AMG GT3 pour Sun Energy Racing, la voiture 75. Oui, c'est vrai, Michael Grenier qui en passant, je m'excuse d'être parti de la caméra, c'est juste que ça va être plus facile pour moi pour taper, mais Michael Grenier aussi n'a pas été en mesure de renouveler son contrat avec la série Ferrari, en série GT3 Ferrari. Petite parenthèse, mais c'est ça. Désolé. Ouais, quand même intéressant à savoir, un peu dommage par contre de son côté, mais intéressant à savoir malgré tout. Bruno Spengler va courir avec Timo Glock, Connor DeFilippi et Félix Heng dans la voiture 25. Bien entendu, vous aurez compris, Spengler égale BMW. Et voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter par rapport à ces mythiques 24 heures de Daytona? C'est un peu. Moi, je vais me lancer dans une prédiction. Attends, moi, je vais regarder les écuries vite, vite. J'ai comme l'impression... Moi, je mets mon petit 2 au niveau de l'écurie Konica Minolta d'Acura avec un certain Ricky Taylor, Philippe Albuquerque, Alexander Rossi et Helio Castro Neves. C'est mon cheval de prédilection pour l'épreuve de cette année des 24 heures de Daytona. Je vais y aller d'une prédiction plus terre-à-terre et beaucoup moins agréable. On aura aussi le Daytona 500 dès le 14 février sur la même terre de Daytona. Donc, le NASCAR aussi dans les prochaines semaines qui va lancer sa saison. Surprenamment, dans le sens que lorsqu'on regarde la Formule 1 qui prévoit son calendrier au mois de mars, on est déjà en train de reporter des épreuves. Mais aux États-Unis, tout va bien aller, tout va lancer et avoir lieu tel que tel. Donc, hâte de voir les Speed Weeks qui vont s'entamer dans les prochaines semaines. Évidemment, les deux semaines là, menant jusqu'au Daytona 500 qui est prévu le 14 février. L'avantage quand une série ne sort pas d'une frontière internationale, ça fait en sorte qu'on peut tenir les séries telles quelles à peu près sans trop de problèmes. Sans les fans, évidemment, pour une certaine partie. Avec des fans dans d'autres courses. Donc, de ça ce côté-là. Ça dépend des états. Et voilà. Et ça dépend des pays, je dirais, la NASCAR Penties. Ouais, Penties, par contre, le 14 jours, là, ça va être une autre affaire au Canada, mais c'est à surveiller tout de même. Barry, que oui, ça va. Le Penties est arrivé, mais passer aux États-Unis, revenir au Canada, mais ça va être compliqué. Mon point, c'est plus que la Penties. Je veux dire, on a dû attendre à la fin de l'été avant de voir des épreuves l'an passé. Ouais, mais je pense pas qu'on ait à se rendre jusque-là cette année, bien honnêtement. J'espère. Ça sent comme une saison relativement normale, mais bref. On ne s'avancera pas trop vite. On sait ce qui s'est passé l'année dernière qu'on a voulu s'avancer trop vite. Donc, voilà, c'est ce qui va conclure cette balado. En terminant, petite nouvelle que je veux vous mentionner côté Sim Racing. Il y a la Porsche eSports Sprint Challenge Canada qui débute très prochainement au niveau d'iRacing. Donc, oui, c'est pour les qualifications, donc si ça vous intéresse, allez vous qualifier pour être un des 40 participants pour ce qui est une série qui est approuvée par GDS, qui est l'Association Sportive Nationale du Canada, donc on parle vraiment d'une série qui monte de niveau pour cette deuxième saison, donc n'hésitez surtout pas d'y aller. Vous pouvez trouver les informations sur la page de Porsche Motorsports Canada. Même chose du côté d'iRacing.com, vous allez avoir les informations de ce côté-là si ça vous intéresse, évidemment.
En terminant, bien, si vous avez apprécié ce court balado, évidemment, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à SFTV, que ce soit sur Facebook, YouTube, peu importe. Allez-y, parlez de ça à vos amis et également la prochaine semaine des gros changements qui s'en viennent au niveau de SFTV. Donc, ne manquez rien du tout de ça en aimant et en partageant cette page. À mon nom personnel, Olivier Surcotte, ainsi que Pierre-Luc Dallaire, Éric Godot-Dapeau et Luc Carbonneau. Merci beaucoup et on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine édition de la balado SFTV. Et oui, on prend une semaine de repos la semaine prochaine, donc portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Salut!